Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 2 juin 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une séance qui ressemble un peu à la séance d'hier. Nous sommes venus ouvrir en baisse à 3475,50. Nous avons marqué un plus bas à 3432,2, un plus haut à 3505,73 pour finalement venir clôturer à 3501,5. Une variation de moins 0,05%, donc autant dire une clôture à l'équilibre, hein, sans vraiment de tendance. On a perdu 1,5 sur le CAC 40. Bon, c'est vraiment pas, il y a vraiment pas de quoi. Il y a vraiment pas de quoi. Au niveau des tendances, ben, on sent bien qu'on est un petit peu dans une tendance de transition, hein, on n'arrive pas à monter, on ne descend pas trop non plus. Alors il y a une chose que l'on peut remarquer, c'est que par contre les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Par contre les clôtures, elles, ne se situent quasiment sur la même ligne, hein. Là, je vous rappelle que lundi, nous avions une clôture à 3507, ici une clôture à 3503 et là une clôture à 3501. Donc une certaine stabilité au niveau des clôtures, des plus hauts qui sont de moins en moins hauts par contre. Et par contre, nous avons cessé de marquer des points bas de plus en plus bas. Donc nous entrons vraiment dans une tendance neutre. On n'arrive toujours pas à venir ici titiller les trendlines remarquables, hein, que sont la résistance baissière, hein, qui, je vous rappelle, bride la tendance vers le bas. Il n'y a toujours pas de test de cette ligne à proprement parler pour casser cette tendance baissière. La résistance majeure ici des 3550 points, bah, n'a toujours pas été attaquée avec succès, hein. On a eu ici pourtant une ouverture au-dessus de cette barre, mais on n'a pas réussi à tenir les positions. Et nous sommes toujours sous la moyenne mobile 20 jours, une moyenne mobile exponentielle, dont les cours sont venus rebondir par le bas ici la journée du 13 mai. Donc c'est un peu le test, ces trois lignes font office de test pour la tendance baissière en cours. Au niveau des retracements, hein, je vous rappelle que par rapport à cette jambe de baisse, nous sommes venus ici entre les 50 et les 61,8, donc il ne s'agit que d'un rebond technique. Et là, par rapport à cette jambe de hausse, ici on est venu retracer quasiment sur les 50%. Donc vraiment, on voit bien que chaque tendance a son retracement. Ici, on s'inscrit vraiment dans une tendance neutre, donc le biais neutre que j'ai adopté hier au niveau de la tendance du CAC 40, hein, pour la tendance court terme est conservé, bien sûr. Tant que nous n'avons pas ici une attaque franche de ces. On ne peut pas parler de rebond haussier. Et tant que nous ne repassons pas sous les 3400 points en clôture, on ne peut pas non plus à proprement parler de mouvement baissier. Au niveau des indicateurs, nous voyons ici que le stochastique est toujours sur son signal d'achat. Le signal a tendance à se resserrer un petit peu, donc le signal haussier perd de sa dynamique. Ici, au niveau du RSI, il est stable, hein, depuis quelques séances, hein, ce qui traduit bien ici la non-évolution des cours, hein, notamment en clôture. La volatilité depuis quelques séances a tendance à se calmer. Donc on assiste quand même à beaucoup de signes qui plaident en faveur d'une stabilisation des marchés. Donc il n'y a plus à proprement parler de mouvement de panique. Donc peut-être un mouvement de stabilisation avant une certaine, pourquoi pas, une certaine hausse. Je pense que plus la stabilisation dure, plus le mouvement haussier serait en train de se préparer. Mais il n'y a vraiment rien d'autre qui vient abonder en ce sens, car même au niveau des volumes, ici on a une réelle baisse des volumes, hein, depuis maintenant quelques séances. Et donc on ne peut pas vraiment interpréter ces signaux comme étant révélateurs d'une tendance à venir, car sans volume, on ne peut pas valider vraiment des sorties de figure ou des créations de figure. Donc bon, pour l'instant, c'est du wait and see. On attend de dépasser une de ces bornes pour vraiment définir une tendance et repartir. Voilà ce que l'on peut dire au niveau de l'analyse technique du jour. Donc je vous rappelle que pour être prévenu des parutions vidéo en direct, vous pouvez vous abonner sur le compte Twitter du site boursicoté.com, dont le logo se trouve juste à côté de la vidéo, sur la page vidéo du site, hein, boursicoté.com. Et puis, ben pour ceux qui le sont déjà, je vous remercie de suivre régulièrement les vidéos du site concernant l'analyse du CAC 40.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne chance dans vos trades. À demain, à bientôt.